Bonjour à tous et à toutes. Bonne année 2022, chers amis cancer. Donc, je finis avec vous pour le tirage de janvier 2022. Donc, ce sera le tirage général sans le sentimental. Donc, parce que le sentimental a déjà été fait pour tous les signes du zodiaque. Vous pouvez aller le voir si vous n'avez pas encore vu votre tirage sentimental de janvier, chers amis cancer. Donc, dans la playlist, vous abonnant à la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner aux guidances de Shiva, cliquez la petite cloche en haut à droite et vous avez accès à toutes les playlists. Donc, tirage amour de janvier, la première partie du 1 au 15, et puis les autres playlists, année 2022, décembre, bon, c'est déjà passé, la semaine, etc. C'est juste une information, donc ce tirage sera surtout général, voir ce qui va se passer pour les cancers. Vous êtes le dernier signe, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, on va avoir un petit message pour vous. On nous dit respecte tes ressentis, respecte ton intuition, avec une notion de temps qui peut vous aider. Voilà, doucement. Qui peut vous aider par rapport à maintenant ou par rapport à la dernière nouvelle lune du 2 janvier. On nous parle de 4 semaines ou de 4 mois. Il y a peut-être quelque chose que que vous avez en attente ou qui peut résonner avec ces dates. Je vous les transmets. On va faire un tirage. Donc, je vais regarder ici pour les énergies avec l'oracle du sixième sens. Et ensuite, on va faire un tirage avec le petit, le normand, un tirage au tarot, la triade et un tirage avec l'oracle des miroirs, un tirage complet. Et restez jusqu'à la fin parce qu'après, on va vous donner un conseil. Et donc, qu'est-ce qui est bien de faire pour les cancers cette première partie? Donc, ce sera du 1er au 15 janvier 2022 pour vous. Alors, on commence tout de suite. Alors, je vais demander pour les cancers ici. Cancer, 1er au 15 janvier 2022. Et puis oui, très belle année 2022. Tous mes voeux, que ça se passe bien en amour, santé et joie. Cancer, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Cancer, 1er au 15 janvier 2022. Alors, on parle d'une passion. Bon, ça s'est retourné, hein. Une passion qui est en vous, qui a envie de se développer. Peut-être ça va ressembler au tirage de la semaine, donc jusqu'au 9 janvier. N'hésitez pas à aller le voir, je vous le conseille vraiment, c'est un tirage très complet, très précis. Je la remets parce qu'elle s'est retournée simplement et je vais prendre une coupe pour les cancers, 1er au 15 janvier 2022. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, il y a bien quelque chose qui a besoin d'émerger, qui a besoin de naître, qui est en gestation en vous et quelque chose qui se prépare. Parce que chakra sacré, c'est le deuxième, c'est celui de la reproduction, de la mise au monde, de préparer des projets, quelque chose qui est en gestation. Voilà, deuxième chakra, c'est exactement comme la carte de la femme enceinte où il y a comme une passion qui est en train de grandir en vous, que vous voulez mettre sur pied, peut-être pas en début janvier, mais par la suite. C'est en tout cas en train de se créer, de se manifester en vous. Il y aura du mouvement dans cette première partie de l'année. On nous dit qu'il y aura des choix et des décisions à prendre. Donc des changements, il y aura du mouvement. Peut-être des déplacements, des changements par rapport à des choix que vous allez faire professionnels, amoureux. Parce qu'il y a différents domaines ici sur ces arches. Il y a l'argent, il y a le mariage, il y a le travail et autres. Et vous aurez des décisions à prendre. Et il y a bien ici une fin transformation, hein, une fin renouveau. Vous prenez peut-être une nouvelle voie ou vous allez prendre une nouvelle voie, peut-être après une période un petit peu complexe ici où on nous dit qu'il vous faut reprendre des forces, reprendre de l'énergie, vous remettre en question peut-être aussi. Ok? Donc on sent une envie de création, une envie de mise à jour de quelque chose qui est en gestation en vous. Peut-être vous le savez ou peut-être pas encore. Et que là, il y aura des changements, des mouvements, des choix à faire ce début d'année. Alors, on va regarder que le petit Lenormand couvert du petit Lenormand. Je vais prendre quatre cartes. On va demander pour les cancers.
1er au 15 janvier 2022. Alors, Cancer, 1er au 15 janvier 2022. Cancer, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe pour les cancers? La coupe. Il y aura des discussions. Il y aura pas mal de discussions et on va vous montrer le chemin, on va vous guider. Peut-être vous allez discuter avec des personnes qui vont vous aider à prendre une nouvelle voie et on vous guide aussi par là-haut. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas encore sûr de quelle voie vous voulez prendre, quel nouveau chemin vous voulez prendre après une fin. Après avoir mis fin à certaines choses, j'avais vu qu'ils n'étaient pas super bonnes pour vous. Bon. Les cancers, on regarde ici, 1er au 15 janvier 2022. On va prendre 4 cartes. Alors, déjà, regardez ce qu'on dit. Peut-être qu'il y aura déjà un contrat qui arrive. Bon, ou il y aura des nouvelles, c'est plus le contrat ici. Après, effectivement, une période où vous vous cherchez, où vous tournez en rond. Il y a un coup de chance pour peut-être commencer quelque chose déjà ici, les cancers. Un contrat. On voit que vous êtes actuellement, donc la situation va jusqu'au 15 janvier et plus, hein, vu que c'est élastique le temps. On voit qu'il y a un contrat, un papier officiel qui va vous arriver pour certaines démarches. C'est un coup de chance qu'il va falloir saisir ici avec les dés. Parce que peut-être actuellement, vous êtes un peu perdu, je vous ai dit. Il y a des mouvements, il y a des choix à faire. On tourne en rond, on ne sait pas trop où on va aller. On nous dit de bien étudier la situation, d'observer en détail les différentes opportunités, différents choix qui se proposent à vous. Mais avec le contrat en tout premier, pour moi, c'est quelque chose qui sera signé, qui sera officiel, un engagement. Donc, un engagement pour un travail, pour par exemple avoir un local, pour un appartement, pour une relation sentimentale, etc., etc. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous engager déjà pour peut-être votre nouveau projet qui est en préparation. Il y a quelque chose qui se prépare ou il y a des papiers qui vont permettre un déblocage pour avancer dans vos projets futurs. Je vais couvrir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on va avoir de supplémentaire? Cancer du 1er au 15 janvier 2022. Cancer 1er au 15 janvier 2022. 15 janvier 2022. Alors, on va voir ce qu'il y a ici. En tout cas, saisissez cette opportunité, on vous propose de vous engager par rapport à quelque chose, c'est une chance. Ne refusez pas, hein, avec les dés, c'est un coup de chance. On vous propose vraiment, ouais, peut-être un local pour faire votre projet, peut-être un job, une opportunité, un déménagement, un lieu de vie, il y a quelque chose comme ça qui se présente. Alors là, on nous parle d'amour, de lien. Ça peut être une officialisation par rapport à quelque chose, soit qui vous tient à cœur, ou soit par rapport à une relation. Est-ce que ce serait un contrat de bail pour vous mettre avec quelqu'un? Est-ce que vous allez faire ce choix? Ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, qui est un projet? Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent aussi. Hein. Vous tournez en rond, mais vous allez en sortir, vous allez voir une éclaircie. Les cancers vers quelque chose de bon, c'est des bonnes nouvelles, c'est la pureté, c'est le mariage aussi, c'est quelque chose de beau. Là, ça parle d'amour hein, quand même, hein, beaucoup. Là, ça peut parler d'amour aussi, qu'il y aurait une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie ou des nouvelles qui arrivent. Il y a peut-être une nouvelle rencontre, hein, nouvelle rencontre qui nous fait nous sortir de notre... labyrinthe où on se sent perdu, pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'amour, et c'est quelque chose de pur qui va nous engager vers quelque chose. Là, il y a effectivement un engagement si on reste sur le domaine sentimental. Avec la lune, eh bien c'est émotif, on est dans l'émotion, on écoute notre intuition, c'est un coup de chance. Donc, c'est
tout à fait possible que ce tirage, on parle de relationnel, hein. Il y a un engagement soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur, avec des nouvelles qui arrivent, qui seront très bien pour vous, qui vont vous mettre en émoi, ou il vous faut écouter votre intuition pour prendre la décision, mais moi je dis, c'est saisissez votre chance, hein. Faut pas tourner en rond plus que ça. Donc, soit sentimental, soit un projet qui vous tient à cœur. Voilà. Mais il y a des nouvelles et il y a quand même un commencement. Il y a un cavalier, c'est soit une personne, soit des nouvelles, soit des papiers qui arrivent pour pouvoir justement démarrer sur un domaine qui, pour le moment, était peut-être en stand-by. On va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'il va nous dire. Donc, pour vous. Alors, les cancers. Cancers. Pour le 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022 pour les cancers. 15 janvier 2022 pour les cancers. 15 janvier 2022 pour les cancers. Qu'est-ce qui va se passer? Tirage en croix. Alors. Hop là. Donc, on regarde ici. On va voir si j'ai le visio. Vous avez toutes les cartes. Oh, on a le soleil. Il y a un renouveau positif. Oui, peut-être, je pense, cette fin d'année 2021 était difficile. Vous avez réglé des choses. Vous avez... fini certaines choses négatives, moi c'est ce que j'avais vu, hein. Peut-être même dans le tirage de la semaine, vous avez vraiment décidé de prendre votre vie en main et d'aller vers le positif, parce qu'il y avait eu des situations un petit peu pas très bonnes justement, je crois, au niveau relationnel. Dans un passé proche, bon, lune, soleil, les choses n'étaient pas claires, les choses sont pas claires encore pour le moment, on ne sait pas encore très bien où on va, c'est ce que je vous ai dit. Pour passer une étape importante de votre vie, ici les cancers, et on va vers un éclaircissement. Donc, durant cette période, jusqu'au 15 janvier ou plus tard, les choses vont se mettre en lumière et vous allez éclaircir ce que vous voulez faire. Vous allez trouver le bonheur, la juste place que vous voulez avoir avec le soleil, la réussite. Il y a une réussite ici. Mais après la lune, vient la lumière, après le doute, vient l'éclaircir. Et on nous dit que vous terminez effectivement quelque chose. Donc, vous avez trouvé quelque part une réponse en vous qui vous permet de mettre fin à ce qui ne va plus pour vous. Non, mais je travaille. Viens. Quelque chose qui ne va plus pour vous, qui n'allait plus ou qui n'était plus sain, c'est ce que je vous ai dit, hein. On finit, mais il y a un renouveau. C'est toujours cette carte. Ici, on met, il y a un homme à terre, donc on termine une situation, une relation, ça peut être un lieu de vie, parce qu'on a quand même là le portail, vous allez passer une porte, hein, vous voyez, vous allez passer un stade nouveau, et il y a quelqu'un d'autre qui se présente, donc il y a peut-être, je ne sais pas, vous me mettrez en commentaire si ça concerne le sentimental ou un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et on nous dit d'avoir la foi avec le pape. Il y a une officialisation aussi, quelque chose comme ça, où vous avez pu peut-être aussi vous épancher, vous exprimer ce que vous aviez sur le cœur, pouvoir vider votre sac quelque part pour avancer vers une nouvelle direction qui s'engage vraiment à vous, c'est en dominante de cette période. Il y a un commencement, il y a la fin, il y a le commencement de quelque chose. D'accord, il y a ce pape qu'elle a, hein, aussi. Quelque chose d'engageant, de spirituel, d'officiel. Ok, c'est très très bien. Ça commence bien l'année, donc pour vous, en 2022. On va voir au niveau un peu plus psychologique, spirituel, émotionnel, qu'est-ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui se passe en vous, les cancers, maintenant. Je crois que vous avez fait des mauvais choix, si je ne me trompe pas. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, hein, toujours pour savoir un peu comment ça résonne et quel est le domaine. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est un travail indépendant? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à écrire sur le mail qui est sous la vidéo. Donc, c'est pas gratuit, hein, parce que là, j'ai eu deux messages avec une personne qui me dit je veux ça, mais qui ne me paye pas. Donc, voilà, je vous réponds sous 3 jours, hein, vous avez votre guidance.
Alors, on y va pour les cancers avec la triade. Alors, pour le 1er au 15 janvier 2022, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022, qu'est-ce qu'on a ici pour le signe des cancers? Signe des cancers, 1er au 15 janvier 2022. On va voir la coupe, déjà, ce qu'elle a comme information à nous donner. Ouais, il y a une période de déprime, une période de renfermement sur vous-même. Cette fin d'année, cette dernière partie de l'année, ces derniers temps, vous êtes simple. C'est pas vraiment la déprime, quoique aussi hein, l'isolement, se sentir seul, sentir abandonné, d'avoir tout quitté, on ne sait pas trop où on va, une espèce de vide. Et vous avez compris des choses, si vous êtes dans le domaine spirituel ou autre. Ici, c'est pas une initiation, c'est plus, c'est apprendre des choses concernant tout ce qui est en lien avec la spiritualité, justement. Donc l'astrologie, l'astronomie, la philosophie, la spiritualité, vous avez compris les liens de cause à effet, qu'est-ce qui vous arrive et pourquoi, qu'est-ce qui est lié, quelles sont les valeurs que vous devez utiliser dans votre vie actuellement. Bien écoutez votre intuition hein, ici, vous allez retrouver un équilibre. Alors, on va prendre 5 cartes et 4 cartes. Donc, pour vous, chers amis, cancer, 1er au 15 janvier 2022, on a nos 5 cartes. Il y a vraiment une notion de, ici qui est très belle avec ce chakra sacré, c'est le deuxième, c'est celui qui porte, qui donne la vie. Hein. C'est au niveau des organes sexuels aussi. Et puis, on l'a vu sur l'autre carte, cette femme qui a une passion dans le ventre, qui a envie de s'exprimer. Et c'est vraiment vers ça que on vous demande de tendre. Voilà, voilà, voilà. Hop, alors. On va regarder déjà celles qui sont ici. Oui, on retrouve l'équilibre comme on a vu tout à l'heure à la coupe. C'était donc dessous la première carte, là, avec sur ces cartes de la triade, ce symbole nous dit qu'il y a un cycle qui se termine. Donc peut-être un long cycle de vie, un long cycle de fonctionnement pour vous les cancers, de travail, d'attitude, de relationnel, une manière d'être ou de faire qui se termine. Il y a peut-être un grand changement qui s'opère, vous passez peut-être sur un nouveau cycle et on voit que vous retrouvez l'équilibre. Même si c'est un peu penché, comme je dis toujours, c'est qu'il y a eu des choses qui vous ont affecté. Et vous êtes béni, hein, il y a une bénédiction sur vous, donc c'est quand même pour dire, voilà, vous êtes protégé, il y a la bénédiction, donc on vous dit, ok, c'est bon, tu peux y aller. Ça a pris du temps, c'est ce que je pensais, hein. Quelque chose qui vous a fait du mal, qui a fait du mal à autrui, et ça, je l'ai vu dans la semaine. Alors, vous êtes protégé et béni, ok. On nous dit, ok, c'est bon, maintenant tu peux y aller. Donc, il n'y aura plus de problèmes. Les problèmes sont derrière. On nous dit, ça a duré peut-être un peu trop longtemps. Peut-être que vous aviez de la peine à comprendre certaines choses au niveau spirituel, au niveau de cause à effet dans votre vie, de certaines choses. Ça a pris le temps qu'il fallait, mais il y a eu des douleurs par rapport soit à vous, soit à des gens à qui vous avez fait du mal. Ça, c'est ça qu'il faut peut-être réparer, en fait, ou comprendre, hein, avec la science qu'on a eue tout à l'heure. Comprendre qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que j'ai fait, et pour pouvoir faire des nouveaux choix et pour faire des avancements importants ici. Ce début d'année est assez fort. On ressort les mêmes cartes un petit peu que la coupe. Il y a eu effectivement une période d'isolement, de solitude, comme si les choses n'avaient pas marché, vous avez dû vous remettre en question, vous avez subi certaines situations, hein, on n'est pas très très bien, ouais, et là il y a l'adversité encore une fois, donc il y a eu des choses douloureuses, hein. Il y a eu des choses douloureuses pour les cancers. Je pense ici, l'adversaire peut être vous-même, je dirais toujours, les énergies sont interchangeables, ça peut être soit vous, moi je pense personnellement que c'est vous qui étiez votre propre ennemi par rapport à des choses qu'il fallait changer en vous, ou vous avez pu faire du mal à autrui.
Si ce n'est pas le cas, il y a eu des gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé. Ça a pris du temps, ça a duré depuis longtemps. Maintenant, c'est terminé. Hein. Maintenant, c'est fini. La carte du temps, c'est stop. Ouais, il y a eu des mensonges. Il y a eu des choses fausses, il y a eu des personnes fausses, où vous avez menti, où vous avez trompé. C'est quand même une carte forte. Hein. Il y a eu des choses pas très, très nettes. En tout cas, moi, je ne pense pas que c'est ce qui va se passer ce début d'année, mais c'est de là où vous venez. Hein. Il y a quand même ce qui est positif, c'est qu'il y a l'équilibre qui revient, il y a la fin de cycle, vous êtes béni, protégé. Il y a eu de la difficulté qui vous a mis en période un petit peu de solitude, de déprime. Et il y a eu des mensonges, donc des douleurs que vous avez créées à autrui ou à vous-même, des choses qui étaient fausses, où vous étiez faux avec vous-même, pas en accord avec vos vraies valeurs. Et là, on parle de message, donc il y a quelque chose qui arrive un petit peu comme on a vu tout au début avec le contrat. Il y a des papiers qui vont arriver. Alors, papier, message, contrat, il y a quelque chose d'officiel hein, qui vient. Bon, vous verrez, ça peut être vers le 20 janvier, 15 janvier. Je sais qu'il y aura des déblocages à peu près par là, vers le 15, qui vont vous permettre d'avancer. D'accord? Attendez-vous à des messages importants. Et surtout, c'est ça qu'il y a à régler. Je pense que c'est ça qu'il faut éviter maintenant pour avancer, faire des choix nouveaux, passer un nouveau portail. Je dirais dans les deux cas de figure, ça peut être autant pour les cancers, pour le sentimental, relationnel, avec des gens, la famille, les amis ou le couple, ou en même temps pour le domaine professionnel. Des choix pro, pas très justes, où il y a eu des choses que vous avez mal fait ou mal commencé, parce que peut-être vous n'avez pas été totalement honnête aussi autour de vous. Quelque chose de cet ordre-là. Mes chers amis, on va regarder la suite. Et restez jusqu'à votre conseil qui va arriver. Moi, j'espère que vous appréciez ces tirages maintenant, nouveau format hein, de visionnage de face. Alors, on regarde pour les cancers. Cancer du 1er au 15 janvier 2022. 1er au 15 janvier 2022, qu'est-ce qui vient à vous? Donc là, c'est plus dans le concret, dans la matière, on va voir. Cancer, 1er au 15 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les cancers? 1er au 15 janvier 2022. Cancer, 1er au 15 janvier 2022. C'est vraiment le moment. Vous allez avoir des compromis, des arrangements. C'est peut-être en rapport avec les papiers. On vous accorde quelque chose, on vous écrit, on vous ouvre la porte pour quelque chose de nouveau. Ouais, il y a eu des échecs dans le passé. Peut-être une problématique qui est encore sur la table que vous allez régler. Ouais, il y a quelque chose qui revient, peut-être du passé. Je ne sais pas si c'est un bail qui n'a pas été payé, s'il y a eu des choses qui n'ont pas été réglées. On voit que ça va se régler sur quelque chose qui n'a pas marché. Vous allez trouver un arrangement. Et c'est le moment de le faire. Hein, pour pouvoir partir de l'avant. C'est comme vous débarrasser de ce blocage, de ces erreurs, on va dire. J'ai pas eu la carte de l'erreur, moi, mensonge, adversité, c'est quand même un petit peu complexe. Alors, les cancers, 1er au 15 janvier 2022. Alors, mes chers amis, la dernière ligne. Oui, il y a la roue qui tourne, il y a un changement, hein. Là il y a mouvement-changement, donc vous verrez les choses bouger en ce début d'année. On ne reste pas sur les mêmes, du tout sur les mêmes énergies que la fin d'année. Vous allez passer d'un état à un autre, un état de déprime, un état de joie, un état d'isolement, un état où vous allez rencontrer du monde, où vous allez avoir des nouvelles, vous allez déménager. Hein, aussi, ça peut parler de déménagement. Vous voyez, cette carte du temps, elle est sortie plusieurs fois, trois fois, et il y a du retard. Parce que je pense qu'il y a eu des erreurs par rapport peut-être, je ne sais pas, à une construction de vie de famille, une construction d'un projet que vous avez mal géré ou qui a été, comment dire, géré par des valeurs morales pas très correctes qui a mené à l'échec. Et là, il vous faut repartir sur un renouveau. Un renouveau, ben ouais, qui vous a mené à l'échec, c'est ce que je dis. Bon,
Et là, si on reparle du sentimental, ben, il y a eu peut-être de la tromperie. Là, il y a eu peut-être de la tromperie. Ou dans une relation sentimentale. Donc voilà. Et avec l'étranger, on pourrait dire. C'est pas vraiment. Je sais pas. Si vous allez peut-être vous déplacer à l'étranger, peut-être changer de lieu de vie. Peut-être partir. Il y a le train, hein, qui part. On part vers un autre endroit. On déménage, on change de lieu, on change de travail. On va faire quelque chose de nouveau. Hein. Là, on vous offre le monde. Ça veut dire on t'offre quelque chose de nouveau que tu ne connais pas. Vous allez certainement aller vers quelque chose de nouveau, à mon avis. Bah oui, c'est nécessaire vu que ça n'a pas marché précédemment. Ok. Bon, on peut voir qu'il y a eu peut-être de la tromperie et ça peut être effectivement domaine sentimental. Alors, à vous de me le dire avec grand plaisir et on va voir le conseil pour vous, mes chers amis cancers. Alors, quel conseil pour les cancers du 1er au 15 janvier 2022? Quel conseil pour les cancers du 1er au 15 janvier 2022? Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Il vous faut encore avoir plus d'infos. Il vous manque peut-être un petit peu des éléments. C'est pour ça que je disais que c'était en gestation. Il n'y a pas encore la naissance. Il y a des choses qui se préparent. Donc, il vous faut plus d'éléments par rapport à vos choix, vos décisions. Il vous manque certaines choses. Il vous manque bah, du personnel, il vous manque de l'argent, du matériel. Il manque le fait de connaître une personne. Voilà, il y a certaines choses que vous devrez encore chercher pour pouvoir commencer, mettre au monde une nouvelle chose importante dans votre vie, totalement différente du passé, après avoir compris les choses qui ont été un petit peu difficiles ou que vous avez vécu difficilement et compris actuellement. Voilà, mes chers amis cancer, tous mes voeux pour 2022, que ça se passe bien maintenant. Et merci pour vos commentaires de retour. À tout bientôt. Au revoir. Ah oui, je suis jaloux, moi. Ha ha ha.